Est-ce que je peux me permettre de vous poser la question? Comment aujourd'hui est-ce que vous gagnez votre vie? Parce que nous, on ne vous voit pas forcément en France, on sait que vous êtes aux États-Unis. Je veux dire, ferme ta gueule. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. Vous parliez d'argent là à l'instant. Est-ce que je peux me permettre de vous poser la question? Comment aujourd'hui est-ce que vous gagnez votre vie? Parce que nous, on ne vous voit pas forcément en France, on sait que vous êtes aux États-Unis. Mais je veux dire, ferme ta gueule. Non, bah non, c'est comme ça. Non, mais c'est gentil, je veux dire, ferme ta gueule. Non, mais con, elle. Pas d'insulte. Mais non, c'est pas une insulte, c'est un truc. Si vous me dites c'est indiscret, je pose pas la question. Non, non, mais tu as le droit de pas répondre. Non, mais elle est con, quoi. Non, c'est une blague. Quand tu dis ferme ta gueule, c'est une blague. Ah, d'accord, bon, ça va. Ferme ta gueule, c'est ce que ça veut dire. Dans le métier, quand tu dis ferme ta gueule. C'est un mot d'amour. C'est comme quand tu bouffes et que l'inspecteur des impôts dit ferme ta gueule. Il se marre un peu, tu vois. Puis tu fermes ta gueule. C'est quoi ta question, toi? C'est donc la seule réponse qu'on aura. Leslie, le bébé, tu appelles le bébé monstre. Appelle le Mike Tyson. Il va foxer tout le monde. Mais tu as le droit de ne pas répondre. Mais la question de Fiona, c'était juste comme on sait que t'as plein de casquettes, plein de métiers. Ouais, c'est comment tu gagnes ta vie? Écoute, je pense que tu pourras jamais faire ces salaires. C'est-à-dire que. C'est possible. Ouais, c'est clair et net. C'est-à-dire que moi, depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, en fait, je suis membre de la SACEM. D'accord. Ah, oui. D'accord. Tu touches des droits, du coup. Je suis membre de ASCAP. Mais ça, on ne savait pas tout ça. C'est pour ça que ma question n'était pas si bête que ça, finalement. Tu ne le sais pas parce que tu n'es pas une vraie journaliste. C'est pas journaliste, bien évidemment. Tu as interviewé plein de gens, d'ailleurs. Très doué, d'ailleurs. Vous allez me laisser parler? Absolument. Une vraie journaliste, parce que. Mais c'est ma journée aujourd'hui. C'est de l'amour. Je suis gentil avec elle. Non, mais c'est sûr que quand tu as un vrai métier, tu écris des chansons, tu vois, comme le livre, comme toutes les chansons que tu as pu passer ici. C'est vrai. Moi, c'est moi qui est auteur. Compositeur, d'accord? Oui, c'est vrai, c'est ce que vous m'avez dit chez vous tout à l'heure. Voilà, donc voilà, c'est mon métier. D'accord. C'est ma destinée. Alors on va.